Bonjour, Pocoyo. Bonjour. Puis-je savoir où tu vas avec ce panier? Ah, je vois. Tu vas te promener avec Pato. Oh, et voilà Ellie. Bonjour, Ellie. Tiens, tiens, il y a une couverture et un gâteau qui a l'air délicieux. Puis-je savoir ce que vous allez faire avec tout ça? Pique-nique. Un pique-nique? Mais oui, bien sûr, j'aurais dû m'en douter. Oh, des sandwichs. Miam, miam. Il y en a un pour chacun. Ah, Pato a l'air d'avoir très faim. S'il vous plaît, les enfants, dites à Pocoyo ce que Pato voudrait manger. Un sandwich. Attends. Ah oui, ce n'est pas encore l'heure de déjeuner, Pato. Tu vas devoir attendre un petit peu. Mais qu'est-ce que tu... Ah, dites-moi du rêve. Et ça recommence. Regardez-moi ça. Non, 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 ce n'est pas ce que vous croyez. Les sandwichs ont sauté dans ses mains et le troisième est parti se cacher derrière un arbre. Mais c'est vrai! Quoi? Mais non, je ne l'ai pas mangé. Je vous dis que le sandwich s'est enfui tout simplement. Vous ne me croyez pas, c'est ça. Eh bien, demandez à nos amis alors. S'il vous plaît, les enfants, dites-leur où est le sandwich. Il est parti se cacher. Il est derrière un arbre. C'est vrai, on l'a vu. Non, ils n'ont pas mangé le sandwich, Pocoyo. Il faut vraiment que tu me croies. Sapristi. Non, je vous assure, ce n'est pas ce que vous croyez. Pato n'est pas parti manger les sandwichs en cachette. Il essaie juste de les rattraper. Quoi? Vous ne me croyez toujours pas? Alors aidez-moi, les enfants. Dites à Ellie et à Pocoyo où se trouve notre ami canard. Derrière vous! Juste derrière vous! Oui, je sais. Il refuse de croire ce qui s'est vraiment passé. Je suis désolé. Le gâteau. Oui, nous pouvons le surveiller pendant que vous allez chercher à manger. Comptez sur nous. Oui, oui, on va bien le surveiller. Oh non! Ça recommence! Mais ce n'est pas vrai! Ellie, Pocoyo. Non, nous n'avons pas mangé le gâteau. Il a grimpé en haut de l'arbre. Oh, ils sont très en colère. Regardez, on vous l'avait bien dit, ce n'est pas normal. Ces fruits ne devraient pas bouger tout seuls. Vous avez vu? Une loupe, tu as raison. Très bonne idée. Oh, quelle surprise! Une fourmi! S'il vous plaît, les enfants, pouvez-vous dire à Pocoyo qui a volé toute la nourriture? Les fourmis! Eh oui,
Ce sont les fourmis qui vous ont pris votre nourriture. Des fourmis. On peut savoir ce que tu lui dis. Ami. Quelqu'un devrait peut-être expliquer à Patou ce qui se passe. Tu vois, c'est la faute des fourmis. Fourmis! Les petites fourmis sont assez costauds pour soulever des choses qui pèsent plus lourd qu'elles. Un grand bravo pour nos nouvelles amies et un autre bravo pour les pique-niques. Au revoir, à très bientôt. Gâteau aux fruits. Bonjour les amis, qu'est-ce que vous lisez? Un livre de cuisine. Ah, c'est très bien. Et vous avez trouvé une recette qui vous plaît? Ce gâteau a l'air savoureux. Je crois qu'il sera parfait pour le goûter. Et de quels ingrédients avez-vous besoin? Ah, je vois. Il nous faut des fruits extraordinaires, bien sûr. De quel genre de fruits s'agit-il? Ah, ce sont des fruits délicieux qu'on peut trouver dans l'incroyable forêt aux fruits extraordinaires. Ah, c'est mieux comme ça. Attends!
Je crois que cette fourmi t'aime bien, Pocoyo. Nina dit que les fruits qui poussent tout en haut des arbres sont les meilleurs pour la pâtisserie. Il y en a partout dans la forêt. Peut-être pourriez-vous vous diviser en deux groupes pour aller plus vite et en cueillir plus. Oui, vous pouvez commencer ici. Il y en a plein. Ils ont l'air délicieux. Je vole! Mais dis donc, Pocoyo, rappelle-moi pourquoi vous êtes venu dans la forêt. Bravo! Vous formez une très bonne équipe, tous les deux. Tu as vu, Ellie? Pocoyo a trouvé des fruits magnifiques en faisant du trampoline. Je crois que vous allez pouvoir faire votre gâteau maintenant. Formidable! Quelle chance que vous ayez autant d'amis avec qui partager ce délicieux goûter! Ha ha ha!
Bonjour les amis. Bonjour. Tiens, voilà Ellie. Bonjour Ellie. Qu'est-ce que tu tiens dans ta main? Des invitations. Comme c'est intéressant. Soyez gentils les enfants, dites à Pocoyo et à Pato à quoi Ellie veut les inviter. C'est ça. Elle les invite à venir prendre le thé avec elle. Quel est le problème? Ah, vous n'aimez pas les goûters d'Ellie? Qu'est-ce que tu dis, Pato? Tu trouves qu'Ellie n'arrête pas de donner des ordres quand elle vous invite? Ellie commande tout le temps. Des ordres, des ordres, des ordres. Wow, tout. Dernière chance, les garçons. Vous ne voulez vraiment pas aller goûter avec Ellie? Oh, heureusement, Ellie aura au moins un invité. C'est le principal. Une bonne tasse de thé chaud. Je ne connais rien de meilleur. À part peut-être des biscuits qui sortent à peine du four avec de la confiture de fraises. Oh, délicieux. Ces biscuits sentent vraiment très bon. N'est-ce pas, bébé oiseau? Oh, s'il vous plaît, les enfants, dites à Pocoyo et à Pato d'où vient cette délicieuse odeur. Exactement. Ça sent très bon. Quoi? Tous les gâteaux sont... Oh, ce n'est pas très gentil. Tiens, tiens. Apparemment, Ellie a préparé d'autres biscuits. Ils viennent juste de sortir du four. Ah, si seulement vous aviez accepté son invitation, je suis sûr qu'elle vous en aurait donné quelques-uns. Sa poupée ont décidé que vous deviez mettre ces chapeaux rigolos avant de pouvoir goûter à ces délicieux biscuits. Ellie et sa poupée vous demandent de chanter une chanson à la gloire de ces biscuits. Ces biscuits sont les meilleurs. Il paraît que vous êtes censé maintenant danser pendant que vous chantez. Les biscuits sont les meilleurs, les meilleurs, les meilleurs. Oh, pauvre petit. C'est vrai qu'elle donne beaucoup d'ordres un peu idiots. Tu es peut-être allé un peu trop loin cette fois, Ellie. S'il vous plaît, les enfants, dites à Pocoyo d'où vient ce drôle de petit bruit. Mange ces biscuits. Pocoyo, je peux savoir ce que Pato fait là-dedans? Feu! Oh, pauvre Pato! Écoute, Pocoyo, pourquoi ne vas-tu pas voir Ellie pour lui demander gentiment si tu ne peux pas avoir un biscuit? Elle partagera avec vous, j'en suis sûr. Biscuit.
Ils ont l'air tristes, tu ne trouves pas? Tu penses que l'on ne doit pas donner d'ordre à ses amis, même pour s'amuser? Regardez ce que Ellie a fait rien que pour vous. Attendez! Vous croyez qu'Ellie va vous laisser manger tranquillement? Oui! Ellie va les laisser goûter sans rien leur demander. Quelle bonne nouvelle! C'est important de partager avec ses amis. Un grand bravo pour Ellie! Au revoir et à bientôt! Machine à remonter le temps. Bonjour Pocoyo, bonjour Nina. Bonjour. Ah, vous vous êtes installés pour faire un pique-nique. Il y a quelque chose qui sent délicieusement bon. Oh, tu as fait des cupcakes, Ellie. Je suis sûr que tu t'es donné beaucoup de mal. Comme ils sont beaux! Ils ont l'air succulents! Bravo, Ellie! Oh là là! Pauvre Ellie! Tu as passé tellement de temps à cuisiner! Tous les cupcakes sont tombés par terre! Quel dommage! Une machine à remonter le temps, Nina. Ah, j'ai compris. Comme ça, vous pourrez revenir en arrière juste avant le moment où les cupcakes sont tombés par terre. Excellente idée, Nina. Mais comment fonctionne-t-elle, ta machine? Incroyable! La machine nous a fait remonter dans le temps d'une minute entière. Dites les amis, vous n'auriez pas oublié quelque chose d'important? Non, Pocoyo, pas tes couverts! La peau de banane! Il ne faut pas qu'Ellie marche dessus et tombe par terre encore une fois! La voilà qui arrive! Va vite enlever la peau de banane, Pocoyo! Bon appétit, les amis. Il ne reste plus que des miettes. Ah, j'ai compris! Vous voulez remonter dans le temps pour pouvoir remanger les cupcakes. Oh là là, mais où sommes-nous? Oh, nous sommes au Far West, le pays des cowboys. Mais ce ne sont pas des cupcakes qu'Ellie est en train de cuisiner. Yeah!
cette fois, j'ai l'impression que nous sommes à l'époque préhistorique. Oh, la peau de banane. Excellente idée, Pocoyo. Ouf, vous êtes sauvés. Vous voilà revenus au temps présent et juste à temps pour déguster les délicieux cupcakes d'Elly. Oh là là, pas de chance les amis. Je crois que vous êtes arrivés trop tard. Non, attendez, voilà Elly. Elle a refait des cupcakes rien que pour vous. Au revoir les amis. Bonjour, Pocoyo. Je peux savoir ce que tu fais? Pas de problème, j'attends. Oui! Oh, tu as fait un dessin. Je te félicite, il est très joli. Dites-moi, les enfants, vous pouvez nous dire le nom de cet animal? C'est une baleine! Laisse-moi deviner. Ah, c'est un dessin pour une baleine. Une minute, ce ne serait pas l'anniversaire de la baleine aujourd'hui. Et tu es invité à sa fête d'anniversaire. Elly, tu vas apporter un cadeau pour la baleine quand tu iras à la fête? Un ballon, très bonne idée. Pas facile pour attacher la ficelle. Bien joué, Pocoyo. Bravo. Je me demande si notre amie baleine réussira à deviner ce que c'est. Allons voir quelle surprise Pato prépare pour la baleine. Il est magnifique ce gâteau. Bravo Pato. Et si vous voulez mon avis, la baleine va adorer ses cadeaux. Vous l'avez gâté. Baleine! Oh, c'est terrible. On aurait dit le bruit d'un ballon qui éclate. Oh, zut. Ce n'est pas de chance.
Heureusement, on a toujours le dessin de Pocoyo et le gâteau de Patou. Comme il est joli, ce poisson. Pato, je crois que tu as perdu quelque chose. Ton gâteau. Mon petit doigt me dit que c'est le joli poisson qu'il a avalé tout à l'heure. Heureusement, vous avez toujours le merveilleux dessin de Pocoyo. Oh, mais c'est notre ami Baleine. On a fait un long chemin pour venir te voir, tu sais. Et nos amis ont travaillé dur pour te préparer des surprises. Ellie avait l'intention de t'offrir un adorable petit ballon. Malheureusement, il a éclaté pendant le trajet. Ce n'est pas de chance. Pato, lui, t'avait préparé un délicieux gâteau au chocolat et au citron. Malheureusement, un petit poisson l'a mangé alors qu'il était en train de te l'apporter. Heureusement, il reste un cadeau que l'on va pouvoir te donner. Pocoyo t'a fait un très beau dessin et je suis sûr que tu vas l'adorer. Oh non! L'eau a effacé la peinture. Décidément, ce n'est pas notre jour de chance. Oh, quel dommage! Plus de ballons, plus de gâteaux et plus de dessins. Regardez, la baleine est heureuse quand même. Ce n'est pas grave si elle n'a pas son ballon, ni son gâteau, ni son dessin. Vous avez compris, les enfants. Expliquez à Pocoyo, à Pato et à Ellie pourquoi la baleine est si contente. Quel est le cadeau qui lui fait le plus plaisir? Que ses amis soient venus pour elle. Exactement! Ce qui compte pour la baleine, c'est que Pocoyo, Pato et Ellie soient là, car le plus beau cadeau de la Terre, c'est l'amitié. Alors un grand bravo pour Pocoyo et ses amis! À très bientôt! Au revoir! Au revoir! Bonjour, Pocoyo. Bonjour. J'ai hâte de savoir à quoi vous jouez tous les deux. Ah, d'accord. Vous faites semblant d'avoir un restaurant. Quelle bonne idée. À cause du chapeau qu'elle a sur la tête, qu'on appelle une toque, Ellie doit être le chef cuisinier. Par conséquent, toi, Pocoyo, avec ta serviette sur le bras, tu dois être le serveur. Bon, maintenant, il ne manque plus qu'une chose. Un client. Si seulement on connaissait quelqu'un qui accepterait de faire semblant d'avoir faim. Les enfants, notre ami Pocoyo a besoin de votre aide. Voyez-vous quelqu'un dans les parages qui serait un bon client pour le nouveau restaurant d'Ellie et de Pocoyo? Pato! Oui!
Bienvenue au restaurant imaginaire d'Eli et de Pocoyo. Veux-tu t'asseoir? Oh, regarde tout ce qu'il y a sur le menu. Des nouilles. Miam, miam, ça m'a l'air délicieux. Des nouilles. Pauvre Pato, j'ai l'impression qu'il n'aime pas beaucoup les nouilles imaginaires. Oh, bonne idée! Un fruit pour le dessert, une orange. C'est bon et c'est plein de vitamines. Oh, quelle belle orange! C'était un ballon! Oh là là! Pato m'a l'air drôlement fâché! Quel est le problème, Pato? Tu as faim pour de vrai, mais... Enfin, voyons... On t'avait dit que c'était juste pour jouer. Mais oui, c'est même pour cette raison qu'on l'a appelé le restaurant imaginaire. On faisait juste semblant. Oh, le pauvre. Heureusement qu'il n'est pas rancunier. Il a faim, c'est tout. Dommage que l'on n'ait pas quelque chose à manger dans notre cuisine imaginaire. Oh, écoutez son estomac qui grogne. Il a vraiment très faim. Mais c'est un vrai gâteau. Eli, tu as eu une idée formidable. En plus, le gâteau, c'est ce que Pato préfère. Vite, Pocoyo, rattrape-le. Gâteau. Ah, le voilà. Rebonjour, Pato. Tu vas être content. Notre chef cuisinier t'a gentiment préparé un gâteau. Pato, non, non, oh non, non, Pato, non, Pato, 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 arrête! Pocoyo, Pato croit que ce gâteau est un faux, comme le reste. Il va le faire tomber par terre, j'en suis sûr. Oh, que faire? Ça y est, j'ai trouvé. Vous allez nous aider, les enfants. S'il vous plaît, prévenez Pato. Il ne sait pas que c'est un vrai gâteau. Pato. Nous avons un client satisfait, c'est parfait. Un grand bravo pour Pocoyo. Et un grand bravo pour le gâteau. À très bientôt.
Bonjour, Pocoyo. Bonjour. Qu'est-ce que c'est? Tu sais quoi? Ça ressemble à une grosse graine. Sais-tu ce qu'on fait avec une graine? Qu'en pensez-vous, les enfants? C'est ça qu'on fait avec une graine? On la met sur sa tête? Non! On la met dans son verre? C'est bien ça! Non! On ne la met pas dans son verre! Est-ce qu'on la plante? Oui! Une graine, ça se plante! Oui, c'est bien! Si tu continues à l'arroser tous les jours, la graine va se transformer en quelque chose de très joli. Elle a l'air de prendre son temps, en tout cas. Ah, il faut savoir que ça prend du temps de faire pousser une fleur ou une plante. Qu'y a-t-il, Pocoyo? Tu as un problème? Ah, j'ai compris. Tu veux aller aux toilettes? On va surveiller la plante à ta place. Vas-y, dépêche-toi. Bonjour, Dodo l'oiseau. C'est une jolie graine, tu ne trouves pas? Mais qu'est-ce que tu fais? Ça va maintenant, Pocoyo? Tant mieux, parce que il faut que je te dise quelque chose. Non, et c'est au sujet de ta graine. Dodo l'oiseau! Ne t'énerve surtout pas. Dodo l'oiseau a eu envie d'y goûter. Mais tout va très bien maintenant. Oh, regarde, voilà Lula. Bonjour, Lula. Oh non, Pocoyo, réveille-toi! Ouvre les yeux! Oh là là! J'ai une idée. Si vous criez tous avec moi, nous arriverons peut-être à le réveiller. Vous êtes prêts? Réveille-toi, Pocoyo! Réveille-toi! C'est pas grave, Lula voulait juste s'amuser. Parfait! Avec ce grillage, ta graine est vraiment en sécurité. Bonjour, Pato. Pato, je sais que ça ressemble à un œuf, mais en fait, c'est juste... Oh, trop tard. Qu'est-ce que c'est? Oh oui, tu as installé un système d'alarme pour surveiller ta graine. Comme ça, personne ne va pouvoir te la voler. Oh, regarde! Comme elle est jolie. Bonjour, Ellie. Oh, attention! Oh, oh, quelle catastrophe! Pocoyo, Ellie n'a pas fait exprès d'écraser ta fleur. Et maintenant, la pauvre, elle est coincée dans ton piège.
toi, Lula. Oh, regardez, plein de petites graines. S'il vous plaît, les enfants, dites à Pocoyo en quoi toutes ces graines vont se transformer. En fleurs, plein de fleurs. Vous avez raison, des dizaines et des dizaines de fleurs. Il y en a assez pour tout le monde. Youpi! Oui! Un grand bravo pour Pocoyo. Oh, et bien sûr, un autre grand bravo pour ses amis. Au revoir et à très bientôt. Are you ready? Let's start with a guessing game. There are green ones, there are red ones. They are good for lots of reasons. If you know without a doubt, shout it out. Apples! Now the next one in this game, it's a color, that's its name. If you know without a doubt, shout it out. Oranges! Very good! You've guessed the two first ones. I love fruit. One, two, three, let's go! Can you guess what the fruit is? Different colors and sizes. Can you guess what the fruit is? Good for everyone. Do you think you can guess the next two? Let's go! They are red and rather small, and with the cream you'll eat them all. They are very nice in jellies. Say their name! Strawberries! They are round and delicious. Very soft like sandy beaches. Do you know without a doubt? They are peaches! Very good! And remember to eat fruit every day to keep healthy! Can you guess what the fruit is? Different colors and sizes. Can you guess what the fruit is? Good for everyone. Can you guess what the fruit is? Different colors and sizes. Can you guess what the fruit is? Good for everyone. Oh, regardez! Voilà Pocoyo et Ellie. Bonjour Pocoyo, bonjour Ellie. Bonjour. Oh là là, j'ai l'impression qu'ils se disputent. Tiens. S'il vous plaît les enfants, pouvez-vous dire à Ellie et à Pocoyo ce que transportent bébé oiseau et la petite chenille? Des cadeaux. Ils transportent des cadeaux. Absolument, ce sont des cadeaux. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Pato. Oh, non, ne me dites pas que vous aviez oublié. Ta faute! Allons, 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 ce n'est la faute de personne. Je propose que l'on aille retrouver votre ami canard. Là! Bon anniversaire! Tes amis ont l'air d'être très contents de fêter ton anniversaire avec toi, Pato. Oh, regarde! Bébé oiseau t'a même apporté un cadeau. Des fleurs! Comme gentil. Et la petite chenille t'a apporté un cadeau, elle aussi. C'est... un caillou. Oh, magnifique! Tu as bien choisi, petite chenille. C'est très joli. Allons, ça suffit, vous deux. Au moins, la petite chenille, elle a pensé au cadeau. Qui est-il, Ellie? Ah, toi aussi, tu as quelque chose pour Pato. Ah, je vois. Tu as organisé un pique-nique en l'honneur de son anniversaire. Bon anniversaire! Oh, regarde, Pato! Pocoyo t'a aussi apporté un cadeau. Oh zut! La nouvelle balle de Pato a explosé. Oh, Ellie!
Pocoyo, mais que fais-tu? Bon anniversaire! C'est ça, une cage? Bon anniversaire! Bravo, Ellie! Heureusement que tu as réussi à faire sortir Pato de sa cage. Il va pouvoir fêter correctement son anniversaire. Mais au fait, où est-il? Tu l'as enfermé dans un bloc de glace? Bon anniversaire! Ça va mal finir. Non, ce n'est pas très amusant pour Pato. Non, Pocoyo. Oh. C'est malin. Pato en a plus qu'assez de vos disputes stupides. Regardez, il s'en va. Ta faute. Ellie, Pocoyo, il ne m'écoute même pas. Il faut absolument attirer leur attention. Aidez-moi. Dites-leur d'arrêter de se disputer. Vous êtes prêts? Ça suffit. Arrêtez de vous disputer. Pato s'en va, je vous signale. Et c'est parce que vous vous disputez. Vous ne voulez pas plutôt vous serrer la main et vous réconcilier? Là, je vous reconnais. Mais vous allez devoir convaincre Pato de rester. Pato, tu n'as pas vraiment l'intention de nous quitter. Oh, mais c'est horrible, ça! S'il te plaît, Pato, ne pars pas. Mais qu'est-ce qu'on va faire sans toi? Mais ce n'est pas un bus comme les autres. Regarde, Pato, c'est un bus où l'on va fêter ton anniversaire. Pato! Les enfants, je crois que Pocoyo aimerait que vous souhaitiez un joyeux anniversaire à notre petit canard préféré. Allez-y! Joyeux anniversaire! Bon anniversaire, Pato! C'est chouette, les anniversaires! Bravo, Pato! Au revoir et à très bientôt! In the kitchen, we're going to give a big surprise to Caterpillar. With some flour and lots of fruit, we're going to make her a dessert with some vanilla. We're going to make a lovely fruit cake. It's the best cake that there is. Healthy and delicious. Fruit cake is really great. Pato prepares the apple for the cake. And Nina adds some tangerine to the bake. Ellie has brought a lot of strawberries. And Pocoyo is going to add four raspberries. We're going to make a lovely fruit cake. It's the best cake that there is. Best cake there is. Healthy and delicious. Fruit cake is really great.
cake in one big bite. We're going to make a lovely fruit cake. It's the best cake that there is. Best cake there is. Healthy and delicious. Fruit cake is really great. Best cake there is. Best cake there is. Regardez, voilà Ellie, Pato et Pocoyo. Bonjour les amis. Vous avez de la chance. C'est sympathique de jouer à la balle avec ses meilleurs amis. Qu'y a-t-il, Pato? Tu as un souci? Oh, ça alors, qu'est-ce que c'est? Soyez gentils les enfants, dites-nous ce qui est accroché au parachute. Un cadeau! C'est un cadeau! Absolument, c'est un cadeau. Comme c'est intéressant. Et pour qui est-il? Il n'y a rien de marqué dessus. Ellie? Ellie, ce n'est pas gentil. Un melon, mais comment? Pato, rends le cadeau. Oh. Calmez-vous tous les trois! Vous n'allez pas vous disputer pour ça! Regardez! Vous voyez, il y en a un pour chacun de vous! Ah, Ellie croit que son cadeau est plus beau que les deux autres! Qu'en pensez-vous, les enfants? Vous croyez qu'ils devraient ouvrir leurs cadeaux? Oui! Ouvrez les cadeaux! Oui, oui, je vous en supplie, dépêchez-vous, j'ai hâte de voir ce que c'est! De la ficelle de toutes les couleurs. C'est original comme cadeau. Et c'est très pratique. Apparemment, Pato trouve que c'est un cadeau ridicule. Et toi, Pato, qu'est-ce qu'on t'a offert? Ça alors, une feuille de papier bleu. Magnifique! D'accord, Ellie, tu trouves que leurs cadeaux sont idiots. Mais toi, qu'est-ce que tu as eu? Vas-y, montre. Des petits bâtons bleus. Formidable. Arrêtez de rigoler tous les deux. Regardez-moi ça. Finalement, c'est un très beau cadeau, ces petits bâtons bleus. Et cette ficelle aussi, la preuve. Qu'est-ce que c'est? Pato, c'est toi qui as fabriqué cet avion en papier. Tu es drôlement intelligent, dis donc. Ces cadeaux sont vraiment très amusants. Oui, qu'y a-t-il, Pocoyo? Je crois que j'ai compris. Vous avez deviné, vous aussi.
Dites à Pocoyo ce qu'il peut fabriquer s'il se sert de toutes les choses qui étaient dans les paquets. Un cerf-volant! Oui, un cerf-volant! Si vous mettez tous vos cadeaux en commun, vous devriez pouvoir fabriquer un cerf-volant. Oh oui, très réussi! Il est superbe ce cerf-volant! Bravo! Oui, c'est bien! Oh là là! Je ne pensais pas que c'était aussi difficile de faire voler un cerf-volant. Bravo, Ellie! Excellent travail, Pato. Vous avez mis vos cadeaux en commun. Un grand bravo à vous trois, Ellie, Pato et Pocoyo. Au revoir et à bientôt.